On dirait que je peux utiliser la griffe télécommandée de Deathstroke. Alfred, demandez au GCPD d'aller fouiller le Final Offer amarré sur le quai Dixon. Ils trouveront Slade Wilson qui les attend, ficelé, ainsi que des armes illégales appartenant aux Pingouins. Oh, encore un tuyau anonyme. Très bien, monsieur. Citoyens opprimés de Gotham, vos appels à l'aide ont été entendus. Je suis Anarchy, la voix du peuple. Et je suis là pour vous sauver de la corruption qui infeste notre ville jadis fière. Ceux qui ont été engagés et élus pour nous libérer ne lèvent pas le petit doigt. Pourquoi le feraient-ils? Ils ont tous été achetés et encouragés à fermer les yeux. S'ils n'agissent pas, je le ferai. Quand l'eau sera là, les causes de la ruine de Gotham seront éliminées. Je dois vite aller au Lacey Towers avant que la police détruise les preuves du crime que le Pingouin m'a signalé. J'espérais pouvoir en parler un peu. J'ai une petite histoire à te raconter. Pleine de crimes et... Hé, hey, doucement! Je cherche pas la bagarre. J'ai un message, c'est tout. Anarchy dit que si vous voulez retirer de l'argent, vous devriez le faire maintenant. De changement. J'ai placé trois bombes là où la corruption de Gotham est à son comble. Mais contrairement à mes ennemis, je crois à la liberté de choix. On offre donc un... Laisse-les exploser. Alfred, nous avons un problème. Oui, j'ai vu. Ce monsieur Anarchy a mentionné trois bombes. Il en reste donc deux. Je dois les trouver. Nul doute que vous y arriverez, monsieur.
La police sait que la victime a chuté d'un bâtiment proche, mais il n'y a pas grand-chose dans le dossier. Son identité devrait nous donner des indices. Brian Murphy, un comptable de la banque d'affaires de Gotham. Cause de la mort, blessure interne due à un impact. Je sais ce qui s'est passé, découvrons maintenant pourquoi. La répartition des taches de sang témoigne de la violence de l'impact. Je devrais vérifier le toit. Cette rambarde est cassée. Était-ce un accident ou a-t-il été poussé? Deux séries d'empreintes de pas. La victime n'était pas seule. Et tous ces papiers indiquent qu'elle avait une mallette. Je dois la retrouver. Intéressant. Il y a deux jeux d'empreintes ici. L'un appartient à la victime, l'autre à Robert Haynes, un escroc bien connu. Alfred, il me faut la dernière adresse de Robert Haynes. Je vous envoie tout ce que j'ai si ça peut vous aider. Inutile, monsieur. J'ai déjà une zone de recherche. Vérifiez votre écran. Allez, viens me voir! J'arrête tes conneries!
c'est Batman? Il existe? Merde! Vous avez vu?
quoi que ces relais protègent, ce doit être dangereux. Je dois détruire ce que je trouve. Ça ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qui est arrivé à Brian Murphy ? On avait un accord. Il m'a donné les numéros de compte. Je me suis fait passer pour le client. Et j'ai vidé le compte. En échange, il a eu sa part. C'est une arnaque que j'ai faite des tas de fois. Mais il s'est mis à paniquer et à faire marche arrière. Alors tu l'as balancé du toit ? Je pouvais pas risquer qu'il avertisse la banque. Ou qu'il prévienne les flics. Je devais protéger mes intérêts. Et finalement, ton compte est bon. Venez par là! Il faut qu'on les fasse fermer pour qu'ils la ferment. Sinon, on sera jamais libre. Vous ne pouvez pas me faire taire. Comme les affiches ou les marques sur les vêtements, les prospectus qui jonchent le sol, tous les bruits qu'on peut entendre. Je suis devant vous. Je suis dans votre tête. Tout comme eux. Achète ça.
J'ai placé trois bombes là. De leurs matraques et de leurs flingues. Ils arpentent les murs. Anarchy a raison, tu sais. Les flics s'en balancent de nous. On serait bien mieux sans eux. Et tu le savais déjà, bah ouais. C'est la justice, l'honneur. Non. Ils veulent le pouvoir et c'est leur. Hé, regardez ça. Ils se doivent protéger, inspirer de la peur. Policiers qui enquêtent sur ce crime doivent avoir une station relais quelque part. Elle doit ressembler à une antenne. Elle est sûrement sur le toit. Intéressant.
Même en sachant ce que tu as fait aux endroits que j'ai visés, tu les as épargnés. Désolé de te décevoir. Me décevoir? Pas du tout. Viens donc au tribunal pour qu'on puisse poursuivre le procès de Gotham. J'ai placé trois bombes là où la corruption de Gotham est à son comble. Mais... Ravi que tu sois venu. C'est un honneur, vraiment. On a beaucoup de choses à se dire. Qu'est-ce que tu veux? Je veux te proposer une alliance. Je crois que nous pourrions accomplir de grandes choses ensemble. Je ne travaille pas avec les criminels. Il faut que tu te rendes à la police. Tu sais quoi? Je me rendrai dès que tu auras fait la même chose. Mais tu te prends pas pour un criminel, pas vrai? La tenue, les gadgets, le sens du devoir... En fait, t'es qu'un gamin friqué qui compense ses délires financiers.
Quel dommage. Je vais t'assommer! Le peuple s'est réveillé! Faire. Je voulais changer les choses. Je croyais que c'est ce que tu voulais. C'est vrai, mais pas comme ça. Beaucoup d'innocents ont failli mourir ce soir par ta faute. Innocents ? Ils ont regardé Gotham se dégrader sans lever le petit doigt. Ils sont effrayés. Non, ils sont faibles. Exactement comme toi. La police ne va pas tarder. Ce sont des rebelles de notre âme.